Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo en ce jour des batailles de chevaliers en Empire Puzzle, bien que ce soit absolument pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, revenons à nos moutons, revenons à nos héros. Donc parler du journée 4 et 5 du coup du tournoi Ré en question. Alors journée 4 qui s'est passée hier, du coup ce qui s'est passé, j'ai encore eu 4 victoires et une défaite. Donc voici une défaite, il y avait deux héros qui restaient vivants. Donc une défaite correcte. Donc j'ai déjà eu une autre défaite la journée précédente qui était à deux doigts près. La première défaite par contre, elle était très sale. Donc défaite que vous avez pu voir en vidéo. La défense, alors, même si c'est en B, c'est cool, j'ai déjà gagné il n'y a pas longtemps. J'ai fini la journée 4 en défense A. Donc j'ai eu 900 points de plus. Donc c'est cool. Là, ma défense, j'espère qu'elle va remonter pour revenir en A. Du moins, j'espère. C'est la première fois, je pense, ou alors peut-être que je n'ai juste pas en tête, que ma défense est autant improvisée que là, du coup, j'ai subi 5 attaques. Oh, c'est bien ça, jusqu'à brise, ça fait 5. Là, j'en ai eu 5 de plus. Là, j'en ai 5 de plus. Là, pour l'instant, j'ai eu 18 attaques en défense et 20 attaques en attaque. Pour l'instant, c'est presque pareil l'un que l'autre. Alors, top 5, donc je pense que si je meurs, je vais mettre les gemmes, comme ça je pense que je serai facilement et que je vais rester au top 5 minimum. Top 1, pourquoi pas? Je dis oui, ça dépendra surtout de ma défense et de mon nombre de victoires que je vais avoir ici. Mais si je les jours aujourd'hui, c'est comme les deux journées précédentes, j'aurai soit 5 victoires pile, ce qui est dans le cas dans le meilleur des mondes, ou alors 4 victoires et une défaite. Donc, dans tous les cas, si le ratio se poursuit, je pense que je pourrais rester au top 1. Mais bon, encore une fois, nous verrons sur place qu'est-ce qu'on a de beau. Alors ici, nous avons un effet positif et positif et positif et positif. Donc on va rester sur l'équipe que j'ai, qui est une équipe de debuff, du coup. Donc ça me semble assez correct. Noril, plus je le mets, plus j'ai un doute sur s'il est bien ou pas. Parce que même si du coup il a plus 40% d'attaque, il reste très juste en PV et en défense, donc je sais pas. Donc je ne le sais pas, je suis pas sûr. J'hésite, j'hésite. Alors, le mur, très clairement, non. Il est sympa, il n'est pas souci, mais pas très offensif. Skid the Skull serait pas mal, mais pareil, même délire. Il a la même défense et le même taux de PV que Noril, d'ailleurs. À peu de choses près, c'est la même chose. Donc, il m'intéresse pas plus que ça. Je pense. Ou je pense pas, je pense pas. Ouais, je pense que je vais essayer de mettre Buddy. Du coup, Buddy, on va le mettre au milieu, vu qu'il fait des sbires. On va voir si j'ai une bonne idée ou pas, vu qu'il réduit la défense et l'attaque. Donc, c'est pas une si mauvaise idée. Sachant que l'aile gauche, c'est l'aile des casse-pieds, et l'aile droite, c'est l'aile du bourrinage. Donc, on va rester tel quel, et c'est parti. Que la chance, que la force, ou tout ce que vous voulez soit présent, ça serait cool. Ok, bon là j'ai 4 bleus. Enfin 4, 3, je sais même pas compter, ça on va pas aller mal. Ça, ça ne sert à rien. Ça aussi, ça c'est cool. Ensuite, j'ai re-3 bleus avec 3 petits verts. Ça c'est cool. J'ai re-3 petits verts, j'ai encore 3 petits verts, j'ai encore 3 petits bleus. Yes, le debuff juste à temps. Du coup, tu dégages. Quel. Ça pique pas mal. Boltusk. Ah oui, yes! Yes, cool. Ça, c'est bien. Allez, déjà un de moins. Sonia risque de partir dans l'au-delà, suivant qui est-ce que le mec d'en face frappe. Et c'est dommage, parce que je pourrais la sauver. Ok, alors soyons pas idiots.
Alors toi, t'es quelle classe? T'es sorcier, ok. Donc du coup, on va bloquer le manasseh de gauche pour essayer de tuer ceux qui sont à droite. Alors du coup, ça fait ça. Ensuite, on va faire ça. Je vais prendre le luxe d'achever lui d'abord. Est-ce que j'étais gourmand? Est-ce que c'est bon? Bon, large, nickel. Que ça, c'est cool. Alors du coup, tac. Tac, tac, c'est pas si mal. Là. On rebloque le mana de seul gauche. Il faut que j'essaye d'achever Green 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 qui est là. Hop, on n'est pas loin. Là, nickel, là on est bon. Alors, du coup, tac. Tac. Là. Et là maintenant, je joue Sonia, comme ça je suis sûr que je ne devrais pas avoir de ma surprise. Même si en toute logique, je vois pas comment il aurait pu faire un tournant de situation. Là. Là, c'est une question de temps. En tout cas, la victoire, je pense qu'elle est largement mienne. Allez hop, 1, 3 soleils et ça dégage. Ok. Ok, donc c'est cool. Du coup, là, on passe de 25 000 à 17 000. Donc c'est quand même largement mieux. Wow. Ok, alors nous avons effet positif, positif, soin, soin et négatif. Sans que tu me réduis l'attaque de 34 pendant 6 tours. Effet négatif que je pourrais compenser grâce au booster d'attaque du coup. Donc c'est pas si grave en tant que tel. Donc je vais rester sur cette composition. Et encore une fois, c'est le même délire. À gauche les casse-pieds et à droite le bourrin. On va partir sur la même chose. Ok, j'ai un peu plus de bleu. C'est pas mal. De bleu, 3 bleus plus et bah nickel, 3 bleus plus et on n'en parle plus. C'est une bonne chose de fait. Est-ce que j'aurai le luxe de l'achever? Est-ce qu'il est mort? Oui, nickel. Ça, c'est une bonne chose de fait. Du coup, étape 2, maintenant comme il n'y a plus personne, on va essayer d'achever ceux qui sont à droite. Baleine d'or qui s'active, magnifique. Alors on va bloquer ceux de gauche, du coup par contre cette fois-ci, vu qu'ils sont pas loin de se charger et ça m'intéresse pas plus que ça à ce qui me frappe, ça m'intéresse pas du tout d'ailleurs. Là, trois petits bleus, même trois petits verts, je pense qu'il est mort, largement même. Oui, large. Donc ça c'est fait, hop. Je pense que je peux l'achever avant qu'il soigne. Oui, large. Ok, bah. Même dire que tout à l'heure, on a achevé les bourrins, mais on n'a plus qu'à achever les soigneurs. Voilà, c'est assez tranquille. Hop. Autant se débarrasser des rouges, comme ça, on fait un peu le ménage. Ok, voilà, de toute façon. Oh la vache, magnifique puzzle. Mon puzzle est magnifique. Alors, du coup, plus d'effets positifs. Un autre, et ensuite, tac, 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 tac. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, je suis déjà au top 1, c'est cool. Du coup, là, si j'enchaîne 3 victoires, je pense que je serai bien là-dedans. Ok, en effet, effet négatif, et négatif. Alors, lui, t'es un an des sbires, donc du coup, ça me laisserait, bah, du coup, enlever... Mon copain, je vais peut-être mettre Sonia en costume cette fois par contre, que ça par contre ça craint, même beaucoup. Partir comme ça. Donc ça c'est cool.
bleu. Logique, tu as déjà te soigner, donc quitte à te soigner, autant balancer des choses qui ne servent pas. Pareil, je pense que tu dois te soigner, donc ça sert à rien que je te balance encore des frappes, toute logique. Et tu me fais mentir, et tu me fais mentir. On va essayer, tac, tac, tac. On va se débarrasser de toi. Oh non, poisse. Une soignée de 801, t'as 808, t'es resté 17 PV. Ah là, par contre. Ça, par contre, c'est très mal joué, parce que du coup, j'ai plus de Sonia. Les gens de droite, ils vont me crier dessus. Et là, ça sent pas bon du tout. Jouer à 18 près, ça craint beaucoup. Alors, tac, qu'est-ce que là c'est bon? Toujours pas. Ok, là par contre, ça sent pas bon du tout. Alors, tac, ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon. Ouh, oh non, là par contre, non. Ah là, ouf, 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 ouf. Non, là, je crois que c'est mort. À moins d'avoir du verre pour soigner. Non, là, c'est très tendu. Là, je pense que je vais pas réussir à remonter. J'ai pas de verre qui vient en plus. Purée, qu'est-ce qui frappe dur. Voilà, le verre, c'est un peu tard. Hein. Non, là, on s'entraîne une sale défaite. Qui est obligé à utiliser des gemmes, c'est dommage. Purée, ça s'est joué à 18 PV. 18 PV d'avoir achevé le mec en face. Là, je suis deg. Là, franchement, je suis bien dégoûté. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Positif, positif, positif. Ok, donc on va partir sur. On remet ça. Par contre. Partir sur du rouge cette fois-ci, je pense, par contre, à la rigueur. Parce que elle va être super casse-pied si j'ai pas de rouge, ça va l'être encore plus. Hop. Je te mets comme ça, c'est quand même, je te veux pour le soin plus qu'autre chose. On va l'échanger. Là. Et on est parti. Ok, là j'ai 3 rouges, c'est déjà pas mal, c'est pas suffisant, c'est déjà cool. Pas grand chose qui m'inspire, il n'y a même absolument rien qui m'inspire d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai un puzzle qui est pathétique, ça va pas et ça n'aide absolument pas. Possible. C'est pas possible. Ils vont cogner dur. Ils vont cogner vachement dur. Toi qui fais du renvoi en plus. Jusqu'à quand? J'attends un tour de plus. Sauf que dans un tour, Sonia risque de mourir. Donc c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Plus 30 de défense. D'abord je te fais tac, ensuite tac, du coup. Non, là encore une fois, ça sent pas bon du tout. Je suis en train de me faire rétamer comme pas possible. Bon, c'est pas avec ça que je vais faire grand-chose. Au revoir, merci d'être venu.
Purée, deux salles des fêtes, c'est pas beau du tout, ça. Je suis à combien dans le classement? 10 000. Ouais, même là, si je gagne, top 1, j'y crois plus beaucoup. On va rester comme ça. Ok, c'est déjà un peu plus cool. Mmh, 119 PV, j'étais pas loin de t'achever. Peut-être que là, avec les bleus, il va mourir, je pense. Non, pas encore. Alors, tu dégages avec ça. Voilà. Droite ou gauche? Gauche. Enfin, je dis gauche alors que j'ai fait à droite. Donc, de toute façon, je voulais dire droite. Ok. Purée, bah là, j'ai mon puzzle. Non, bon, purée, magnifique. Le même tout à l'heure. Alors, vu que toi, t'es un... On va voir, je fais proté. Voilà, un petit feu. Là, c'est bon, au prochain poison, tu es mort et on n'en parle plus. Voilà, une bonne chose de faite. Tu te soignes, ça te fait plaisir, mais je pense pas que tu vas faire grand-chose. Tac, tac, tac. Hop. Là. Merci de votre venue. Au revoir et à bientôt. 6140. Bon, là en plus, il est quoi? Il doit être 14h par là, même pas. Enfin, presque 14h. Top 1, je pense pas. Ce serait une agréable surprise. Top 5, ça je pense que oui, large. Si dans les 27 000 j'étais top 5, là j'y suis large. Top 1, peut-être pas. Peut-être pas Sima à poisse. T'es déjà purée, c'est à peine gagné, à peine perdu. Ça dépendra beaucoup de ma défense, en tout cas, je pense. Une défense qui est à rude épreuve d'ailleurs, jamais vu ça. Et on verra bien. On verra bien. En tout cas, j'ai dépensé 75 gemmes pour une victoire de plus. Donc j'espère que cette victoire, en tout cas, fera la différence. Voilà. Voilà. Encore si je suis en B, ça peut être jouable. À partir de C, ça commence à être un peu juste. Le A, je serai un peu plus serein. Mais on verra bien ce qui se passe. Croisons les doigts, croisons les doigts. Le premier, nous avons un bonus, bonus, négatif, négatif, bourrin. Ici, on a un bonus, bonus, négatif, bourrin, négatif, bourrin, négatif, bourrin. On sait que c'est une sacrée belle équipe. Ici on a proté, bête et pourquoi pas, en négatif, négatif, positif, pour un. Moi j'ai le proté au milieu, donc ça montre bien son efficacité. Et voilà, bon, en tout cas c'est tout pour moi, croisons les doigts, espérons que je... Top 1%, croisons les doigts, prions même j'ai envie de dire. Et bon, on verra bien ce qui se passe à l'avenir. En tout cas top 5% sûr, donc c'est déjà un joli butin, je m'en plains pas. Et sur ce, je vous dis à très vite.